Bon, alors permettez-moi de remercier toute la presse qui fait dépassement. Je vais accompagner de maître Stéphanie du cabinet Expertus. Donc c'est Advocatus, donc c'est cabinet Sayo qui est assisté. Assister Louko par devant le parquet, par devant le commissaire du gouvernement, parce que à travers une vidéo séquencée, donc Louko Désir aurait fait la promotion, bien sûr, de la gangstérisation, etc. etc. Donc je dis là, alors permettez-nous de commencer par féliciter le commissaire, non? Honnêtement, sans flatterie. Donc il a fait un travail méthodologique. Et Louko a répondu avec précision aux différentes questions qui lui ont été posées. C'est le parquet, le chef de la poursuite. Le parquet a estimé qu'il faut édifier. Donc Louko Désir a rendez-vous le jeudi 14 septembre. Donc nous-mêmes comme avocats, nous avons fait notre travail. Nous nous sommes assurés que Louko Désir ait une défense en béton parce que nous avons veillé et au respect scrupuleux des droits de notre client, de M. Luc Désir. Donc toute question que vous avez posée et que vous avez estimé qui n'est pas cadrée à la loi, nous nous sommes opposés à cette question. Donc sagement, le commissaire a fait rectification, il a reformulé la question. Mais nous avons été satisfaits de l'audition, honnêtement. Donc nous pouvons répondre, nous pouvons dire que par exemple, faire promotion pour gang, il va gagner un rapport à gang, etc. Donc comme parquet, comme commissaire gouvernement, c'est lui qui l'a pour mettre action sur le mouvement. Et lui dit qu'il faut qu'on édifie. Donc lui baille commissaire, il baille pour des rendez-vous jeudi 14. Et nous-mêmes avons toujours l'argent du nom. Donc le droit de notre client a été respecté. Et Louko Désir montre par A plus B que ce sont ses détracteurs qui ont utilisé une vidéo séquence de 10 minutes, je crois, 10 minutes, or que l'émission a duré 5h48. Ça veut dire son petit parti au point de l'émission, mais au pas prendre et tout le temps l'émission. Hein. Donc, il a voué le commissaire gouvernement. Et le commissaire gouvernement qui estime qu'à travers ses propos, et Louko Désir ferait une promotion et de la gangstérisation, il évite. Donc, il était courtois, à un moment, ça a chauffé, parce que nous-mêmes, tous, nous étions sur nos gardes. Donc nous sommes assurés que la défense de Louko était impeccable. Donc jusqu'à présent, tout va bien. Louko est rentré à la CALI. Donc il est libre de ses mouvements. Il peut continuer avec son émission. Mais le commissaire lui a prodigué des conseils. Il faut veiller ses écarts de langage parce que nous vivons dans un moment difficile. La criminalité bat son plein. Les gangs font parler de lui à tout moment. Donc c'est la raison pour laquelle le commissaire l'a estimé comme vigile, comme chef de la juridiction, déclare ça va te cadrer parce que on bataille contre la criminalité, contre les gangs. Donc l'on leader d'opinion pour déclaration comme ça va être problème. Donc nous même comme avocat nous sommes satisfaits. Donc doit pas de violer, donc jusqu'à présent ça va. Il était avancé avec qui était là? Non, écoutez, alors les infractions et pour lesquelles nous a été évité, c'est promotion de la criminalité, incitation à la violence. Il faut dire que M. Stéphanie a fait une plaidoirie impeccable, a fait une plaidoirie impeccable. Et il démontre par A plus B que, alors, il a fait des avancées impeccables, il démontre par A plus B que, mais qui est l'élément qui gagne pour incitation à la violence et promotion de la gangstérisation. Donc là, on pense que le commissaire a été édifié par avancée juridique. C'est la raison pour laquelle il s'est basé sur ces avancées juridiques pour ordonner à ce que Louko recourt sa liberté, retourne chez lui. Mais est-ce que tu as une possibilité pour t'avouer de ça devant le cabinet d'instruction en tant que ça parle? Jusqu'à présent, c'est fait. Jusqu'à présent, commissaire en tant que chef de la poursuite, il a le droit de faire ce qu'il veut. Et audition à peine commencé. Donc nous-mêmes, Napton, et même j'ai profité à mon maître avec l'émission tout à l'heure, nous gagnerons vous jeudi prochain. Donc nous n'avons pas accompagné pour venir auprès du commissaire et pour nous répondre. Parce que ce qui est certain, dit que nous avons fait promotion de criminalité, alors que la société à tout est la victime de criminalité, qui est là qui va prendre famille ou qui est victime quand vous faites? Qui est là qui va prendre victime ou famille ou qui est victime sur l'inon? Donc pendant que nous avons victime, ça n'est pas ça pour nous faire promotion de criminalité. Donc nous-mêmes, nous devons devant nous, en tant que défenseurs, en tant qu'avocats, nous défendons les clients nous. Et jusqu'à présent, ma branchée à sa confrère m'a dit, expertise d'avocat, cabinet en RMI, satisfait de présentation. Donc, selon nous, même pas de charge pour que les clients nous l'oublient à parler d'une incitation à la violence, nous référons directement à l'article 20 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Est-ce que nous pouvons dire font appel à la violence? Non. Nous relatons des faits. Et qui est-ce qui est dans la société à Cap 4?
dit que ça le dit assez menti. Pour qui ça, le chef gang nan, David, c'est David. Oui, David est-il. Mais qui est-ce qui t'a démenti? Pas comment qui t'a démenti. Tout le monde connaît que bandit, il y a recruté des monde, tout le monde connaît que là, tout le monde a victime. Et malheureusement, l'État tout lui-même, il pas joué au lit. L'État totalement absent. Et là, on a posé la question, est-ce que l'État n'en fait ça? Est-ce que l'État n'est pas mort? Parce que si l'État est présent, je ne pas capable d'entrer dans la gang. Donc c'est ça l'oupo désir, l'État râler, attention société. Ouais. Jamais pas fait incitation à la violence. Jamais on a fait promotion pour gang, mais par contre, nous quand on fait en tant que journaliste, en tant que éducateur, en même temps en tant que leader d'opinion et éclaireur, donc on y a nous espérer que bon, comme nous gagnons des vous pour retourner et nous souhaitons tout pour l'État ici lui-même pour le réveiller, parce que ça situation n'est pas possible. Alors rapidement, il faut dire que ça pour comprendre, c'est que Louko était en train de faire une analyse sociologique. La criminalité est un fait social. C'est-à-dire, à travers son analyse, il disait, vu la défaillance des autorités étatiques, les jeunes sont obligés de se huer vers les bandes armées. Mais le coup, il y a là un monde qui a un groupe gang, ils ont payé plus que si tu as l'école professionnelle. C'est-à-dire, c'est là la nuance. Comme doit son sens de nuance, et le commissaire s'est senti attiré, interpellé par cette déclaration. Il dit à mon cher dans mes vidéos, parce que soit dit, je ne comprends pas, viens expliquer-moi. Et c'est la raison pour laquelle, à travers les dires de M. Nugner Désir, il dit, commissaire, à aucun moment, je n'ai eu l'intention de faire la promotion des bonnes armées. Je n'ai pas rapport. Et bien, il faut dire que, à travers de tels comportements, l'État doit assumer ses responsabilités. Parce que jeunes, il faut aider tout. C'est-à-dire, si nous ne commençons pas à poser des problèmes de gangsterisation, dans 5-10 ans encore, Jean-Professeur Michel Soukade dit, pour passer mal d'elle, mal à son gang, maintenant d'autorisation. Donc c'est la raison pour laquelle poser ces problèmes lui permet que la société a au courant de ce qui a passé et pourquoi pas pour l'État prendre des mesures adéquates par rapport à ça. Mais si je comprends une déclaration que nous dit que gang nous fait des biens. La déclaration d'art relatif aux droits de l'homme, nous avons fait savoir par devant le paquet que la déclaration faite par Louko Désir n'était en aucune manière une promotion pour la gangsterisation ou sinon une promotion à la violence. Il y a une mésinterprétation qui a été réalisée par des membres de la population et par des adversaires de Louko Désir qui avaient l'habitude de faire la promotion pour la criminalité ou sinon pour le désordre. Sur cette base, nous disons au commissaire du gouvernement, puisque nous sommes en matière pénale et le droit pénal est d'application et d'interprétation stricte, il faut identifier les éléments constitutifs de l'infraction pour lesquels on a reproché le policier. Malheureusement, le paquet était dans l'impossibilité de qualifier clairement, d'établir les éléments constitutifs de l'infraction en question. Et sur cette base, nous lui demandons de faciliter à ce que Louko aille retrouver sa famille. Et le paquet, en ce sens, a fixé un autre rendez-vous pour le 14 et nous sommes là pour l'accompagner. Pour justement et prodiguer les conseils et faciliter à ce que le paquet soit éclairé beaucoup plus par rapport à la déclaration qui a été faite, qui a été mésinterprétée par des journalistes soi-disant mal intentionnés qui a demandé au paquet de diligenter l'action publique. Donc il n'y a pas d'infraction et en matière pénale on ne peut pas poursuivre sans un texte de loi. C'est le principe de la légalité des poursuites qui prévaut en matière pénale. Sur cette base, on dit au paquet, c'est bien d'éviter une personne pour dissuader la population, pour dissuader les gangs, mais réellement, il n'y a pas de fraction. Donc, et nous remercions le commissaire du gouvernement qui a fait œuvre qui vaille, qui comprenne qu'il n'y a pas effectivement de fraction et a facilité à ce que Louko Désir retrouve sa famille et retrouve les auditeurs et auditrices de l'émission Matin Débat. Merci beaucoup. Monsieur le président,
Nous voulons juste de paix pour venir verbaliser. Pendant que le juge d'avenir, il a demandé de faire excuse publique. Et frère journaliste, il a demandé ça. L'accepte faire, nous n'avons pas rancune. Parce que nous-mêmes, nous connaissons nous-mêmes, et public, la première expérience, c'est tel tabou et bêtise, il a dit. Comme je disais qu'on a brûlé la tête de tout le monde. Puisque monsieur a demandé excuse publique, tout est fini et nous n'avons pas gagné, monsieur. Merci beaucoup.